tout le monde du statu quo, il y a des problèmes, mais on n'arrive pas à trouver de solution, on attend que ça vienne. Et du coup, on a ce sentiment d'être en apnée. C'est aussi un monde qui se caractérise par une méfiance généralisée, une perte de confiance dans les différentes autorités, qu'elles soient scientifiques, pouvoirs publics. Et on a aussi une exacerbation des communautarismes. On a enfin une instabilité politique gouvernementale qui est due aux différentes crises climatiques qui ont eu lieu précédemment. Et donc on a un changement régulier de gouvernement, et le dernier gouvernement qui vient d'être nommé est un gouvernement extrême. En fait. Les gens vivent sur un territoire comme ils le vivaient depuis plusieurs décennies. Nous n'avons pas pris en compte certains signaux d'alarme, notamment suite au 7e rapport du GIEC, met en évidence que non seulement la situation climatique est catastrophique, mais que nous n'avons rien fait pour d'abord nous adapter, ni pour contrecarrer l'effet des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, il y a des tensions dans votre monde, il y a des conflits. Oui. En fait, il y a à la fois des tensions entre riches et pauvres, mais on a aussi des tensions entre monde rural et ville urbaine, en fait. Donc, on a d'un côté Paris et la petite couronne qui vivent en un seul bloc, et le reste de l'Île-de-France qui est à part. Les voies de communication étant mises à mal également, les moyens financiers des habitants étant de plus en plus réduits, il y a une grosse difficulté pour accéder aux ressources. Donc, c'est des merdes. L'État, au travers de ses moyens régaliens, est arrivé à mettre en place une organisation qui est à peu près adaptée à Paris, mais c'est l'inexistence de l'État en périphérie. Et donc, localement, nous sommes obligés nous voyons des initiatives assez intéressantes sur des bassins de vie, parce que les gens ne travaillent pas, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas se rendre sur horizon sur leur lieu de travail. Alors, le monde de l'alternative, c'est un monde basé sur le partage et la qualité de vie, sur le pouvoir d'agir de chaque citoyen. Donc, tous concernés. Aujourd'hui, notre organisation fonctionne autour d'un médiateur qui organise les différentes communautés. Ces communautés assurent des services publics locaux, qui sont en fait des services citoyens, sur les thématiques de l'habitat, de l'alimentation, des déplacements. Notre économie est basée sur l'économie circulaire. Nous sommes relocalisés en milieu rural pour autour d'activités productives, notamment alimentaires, mais nous avons de la production alimentaire également sur les toits d'immeubles avec de la production d'énergie très très locale. Peut-être que certaines personnes n'ont pas envie de cette société du partage, n'ont pas envie de collaborer, ont envie de rester dans leur coin. Alors, localement, vous êtes organisé comment ? Ah oui, ça c'est pas évident, parce que le tirage au sort, ça a des avantages, mais ça aussi quelques inconvénients. Bon, on est connecté avec des communautés à Barcelone, à Stockholm, voilà, qui sont un peu dans les mêmes problématiques. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être le rôle de l'État ? On avait imaginé sa disparition, et on se rend compte quand même que pour des questions de financement, d'investissement, d'infrastructure, de sécurité aussi, je suis assez d'accord, hein, il faut quand même des gens un peu costauds au niveau sécurité. On a quand même conservé un État avec lequel les rapports de force finalement entre État, collectivité et communauté de citoyens qui se sont organisés, enfin voilà, on commence à peser un peu plus par rapport à 2014 dans ce débat et ces tensions qu'il peut y avoir. Mais effectivement, on est aussi dans la problématique de très forte inégalité territoriale en Île-de-France. Nous avons beaucoup de crises actuellement qui nous posent beaucoup de problèmes, mais nous y faisons face parce que grâce à nos moyens technologiques, on peut surmonter les difficultés. Voilà. Il est vrai que nous avons un territoire d'Île-de-France extrêmement protecteur,
surprotecteur qui surveille notre santé en permanence à distance. Et je dois dire que nous sommes un collectif de citoyens qui a décidé de saisir cette opportunité pour nous libérer des liens qui nous enserrent dans cette région où la valeur économique passe avant la valeur humaine. Nous avons fait énormément de progrès en 2025, mais nous avons une hypercentralisation des entreprises avec des travailleurs indépendants et malheureusement, nous avons constaté aussi que la population s'est déplacée vers les campagnes. Les villes se vident un petit peu quand même. Et nous avons aussi rendu plus simple notre façon de vivre grâce à des bâtiments autonomes. Ce que Monsieur le Président oublie de dire, c'est que si effectivement tout avait été prévu et si des capteurs nous avaient prévenu très longtemps à l'avance de tout ce qui devait se passer, nous ne serions pas aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Et force est de constater que ces capteurs étaient bien plus là pour conditionner nos vies que pour servir à nous protéger. Effectivement, notre région est la région capitale et phare de notre Europe bienveillante. Mais la réalité, c'est aussi et surtout qu'on a laissé mourir les territoires ruraux et que nous avons dû nous auto-organiser pour arriver à survivre. Si effectivement Paris est bien protégé, si les étages et les bâtiments à énergie autoproduite permettent de continuer à vivre normalement, à communiquer normalement, nous, nos transpondeurs ne nous permettent plus de communiquer de village à village et nous avons dû restaurer d'autres moyens de communiquer. Mais en tout cas, nous avons restauré d'anciennes radios que certains avaient gardées et grâce à la voix des ondes, qui n'est pas encore totalement perturbée, en tout cas pas totalement occupé par les drones de la grande présidence, nous avons réussi à nous réorganiser, à nous auto-organiser et à produire nous aussi également de l'énergie solaire dans nos villages. On a fait appel à des hélicoptères, des drones dans les cas d'inondations importantes et pour aller au secours des personnes isolées. On a prévu aussi d'apporter l'alimentation, on a fait appel aussi aux régions voisines qui, elles, n'ont pas été impactées par les tempêtes. Les gens, si vous voulez, ont pris l'habitude de travailler chez eux, puisqu'on a beaucoup de moyens technologiques, et donc les déplacements sont moins importants que par le passé, et de ce fait-là, ça impacte un peu moins la population. Oui, bon, en tant que représentant du pouvoir central, je pense que je vais m'exprimer en premier, et je laisserai ensuite ma voisine parler de ces zones rurales, car nous laissons une très forte autonomie à ces zones périurbaines autour de Paris. Bon, comme vous le savez, donc, il y a quelques années, dans ce monde de la catastrophe, un exode assez massif a eu lieu, ce qui fait que finalement la ville de Paris est assez préservée, beaucoup moins de population, ce qui fait que malgré les inondations, donc, nous avons pu mettre sous cocon le centre de Paris qui est actuellement en partie sous les eaux, et nous avons déplacé donc tous les systèmes de commandement sur le Mont Valérien, donc à l'abri des inondations, et donc la population est également répartie sur les collines du 80. 92, Saint-Cloud, Meudon, etc. Donc, vous voyez, ces populations sont parfaitement bien approvisionnées en alimentation, en eau potable. Alors, j'aurais pas du tout la même vision que vous, monsieur le préfet, mais effectivement, on a organisé il y a plus d'une dizaine d'années un système autonome, mais par nécessité. On n'a aucun idéalisme là-dedans, mais on a été très pragmatique. Vous avez laissé l'État, l'administration se déliter et démissionner totalement pour s'occuper des élites uniquement. On fait face à des conflits qui sont extrêmement violents et des affrontements qui sont liés à la raréfaction des ressources. Et là où on était jusqu'à récemment en système autonome, on s'est rendu compte que toute la population laissée pour compte, que vous n'avez même pas évoqué, monsieur le préfet. Il faut quand même noter que les forces de l'ordre que nous déployons sur le territoire permettent de maintenir un certain ordre. Bon, effectivement, dans ces situations, il y a toujours des personnes qui cherchent à profiter de la situation, à s'enrichir en allant piller les zones dévastées. On ne peut pas vous laisser dire ça. Okay. Si on n'avait pas été là, on n'aurait même pas pu... Aujourd'hui, nous sommes les seuls à tendre la main à ces populations, à leur apprendre l'autonomie. Vous avez gardé en vie les systèmes d'épuration, mais que pour alimenter les beaux quartiers. La métropole, la zone dense...
urbaine qui ne peut pas survivre avec un système comme Mesdames, vous dites. Qui s'est complètement vidé de sa population. On va essayer de garder notre calme. Je vous propose qu'on clôture cette deuxième séance de conférence sur ce dernier mot.